Dès le moment où la porte de l'appartement a été ouverte, au moins deux personnes, armées d'un riot gun et d'une kalachnikov, ont immédiatement ouvert le feu sur les policiers. Un échange de tirs bref mais nourri s'en est suivi, et trois des six policiers ont été légèrement blessés, dont une policière française. Lors de cet échange de tirs, le pistolet de l'agent qui tenait le bélier en main et qui se trouvait encore dans sa gaine au niveau de la hanche a été touché. Des impacts de balles provenant vraisemblablement du riot gun ont également été retrouvés sur les gilets pare-balles. Le pire a été évité grâce à la réaction professionnelle des policiers présents qui ont immédiatement répliqué et qui ont pu battre en retrait. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs coups de feu ont encore été tirés depuis l'appartement en direction des policiers présents. Ces tirs ont également touché légèrement un policier belge à la tête. Un suspect a été neutralisé par un tireur d'élite des unités spéciales alors qu'il allait clairement ouvrir le feu sur la police depuis une fenêtre de l'appartement dans lequel il était retranché. Son corps a été retrouvé dans cet appartement pendant la perquisition qui s'en est suivie. À côté du corps se trouvait une kalachnikov ainsi qu'un livre sur le salafisme et un drapeau de l'État islamique a également été retrouvé dans l'appartement. Il y avait également un total de 11 chargeurs de kalachnikov et d'innombrables munitions. Aucun explosif n'a été découvert. La personne abattue a été identifiée dans le courant de la soirée comme étant le nommé Belkaïd Mohamed, né le 9 juillet 1980 et de nationalité algérienne. L'intéressé était en séjour illégal dans le pays, n'était pas connu des autorités judiciaires et de police, à l'exception d'un fait de vol simple en 2014. Deux personnes qui se trouvaient vraisemblablement également dans l'appartement et dont l'identité est encore inconnue à ce jour, ont réussi à prendre la fuite et sont activement recherchées.